sais que tu es perdue, Chachita. Je suis arrivée, non. Je dois aller en centre-ville. Ah, c'est que tu as à faire. Mais qu'est-ce qu'elle est arrivée aux chevaux? Chachita, qu'est-ce qui s'est passé? Je me le suis coupée. Et qui t'a donné la permission? Personne. Ne t'énerve pas, papa. Mais à quoi tu te ressembles? On dirait un garçon. Au lait d'un plus. Pardonne-moi, papa. Mais pourquoi tu as fait ça? Réponds-moi! Tu vas t'énerver. Encore plus? Et laissez raconter-lui, maman. Moi? Non, moi non. Oui, c'est pour Marcel. C'est Marcel qui t'a coupé les chevaux? Alors oui, je vais aller le voir. Non, je devais te dire la vérité. Je me le suis coupé pour acheter son cadeau à Marcel. Et pourquoi tu t'aimais acheter des cadeaux à Marcel? À quoi ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse parce qu'il était gentil. C'est ton copain ou quoi? Non, ne c'est mon copain. C'est ton petit ami ou non? Réponds-moi! Oui, c'est mon petit ami. Tu viens de dire ce que je n'arrivais pas à te dire. Et en plus, tu rigoles. Oui, imagine-le, s'il est comme ça comme compagne, imagine-le comme mari. Chachita, tu t'es coupé les cheveux. C'est si terrible. Oh non, Chachita, tu t'es coupé les cheveux. Je vais t'offrir sa peigne. Tant pis. C'est pour ta montre. Oh non! J'ai vendu ma montre pour t'offrir sa pine.